Bonsoir. Nous ne sommes pas très nombreux à cause de la pluie, je suppose. Enfin, j'espère que beaucoup vont pouvoir suivre cette présentation sur YouTube ou sur le Facebook de l'ambassade, de l'Alliance. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler de Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol, c'est un écrivain, comme vous le voyez, qui est décédé en 1974, c'est-à-dire il y a 50 ans. C'est la raison pour laquelle, donc, cette présentation est au programme. Beaucoup d'entre nous et d'entre vous connaissent Marcel Pagnol, au moins de nom. C'est un écrivain qui a souvent été considéré, et malheureusement, comme un écrivain mineur, un écrivain pour le collège ou pour le lycée. Alors que c'est, à mes yeux, non seulement un grand écrivain, mais c'est aussi un très grand cinéaste, puisqu'il a commencé sa carrière d'abord par le théâtre, ensuite il a découvert le cinéma parlant et il s'est lancé dans l'aventure du cinéma. Il a été en grande partie le révélateur d'un certain nombre de très grands acteurs français, comme Rému, Aurane de Mazis, Fernandel, et il est devenu un homme extrêmement célèbre grâce à ses films. Et c'est seulement vers la fin de sa vie qu'il est devenu un écrivain. Quand il a arrêté de faire du cinéma, il a commencé à écrire ses souvenirs à partir des années 1950, et il a publié donc ses livres que nous connaissons tous, « La gloire de mon père »,« Le château de ma mère », Le temps des secrets et, à titre posthume, Le temps des amours, qui paraîtra après son décès en 75. Et il a aussi donc écrit, à partir de ces années-là, des romans à partir de scénarios de films qu'il avait écrits. Et notamment ce terrible drame et en même temps ce délicieux texte qui s'appelle L'eau des collines et qui est composé de deux parties. Donc, Jean de Florette et Manon des Sources. Alors, nous connaissons en général assez bien ces films parce que ils n'ont pas été faits par lui, mais ils ont été tournés en couleur depuis quelques années, notamment La gloire de mon père, donc qui a été adapté au cinéma, et tous ces titres dont je viens de vous parler. Je vais maintenant vous raconter un petit peu sa vie en l'illustrant par les textes. Alors, donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il est né à Aubagne. Aubagne, c'est une bourgade qui se trouve au nord de Marseille, en Provence donc, et qu'il est le fils d'un instituteur laïque, pur produit de la Troisième République. Vous savez que c'est la Troisième République qui institue l'éducation laïque, obligatoire et gratuite. Et il y a toute une formation qui est faite donc aux instituteurs, dans les écoles normales d'instituteurs, et qui sont formés non seulement donc à l'orthographe, à l'arithmétique, à l'histoire, à la géographie, à toutes les matières qu'ils vont enseigner, mais qui sont formés aussi à la laïcité. Or, vous savez que la laïcité en France, c'est quelque chose de très particulier. La laïcité, ce n'est pas l'anticléricalisme. La République française est une république laïque. Ça veut dire qu'elle est indépendante des cultes. Elle les respecte, les protège, mais elle n'intervient pas à l'intérieur donc des cultes, même si effectivement la République française, la France, est un pays dont les racines sont essentiellement judéo-chrétiennes. Voilà. Mais la République française, depuis la Troisième République, est laïque. Voilà. Alors, le père de Marcel Pagnol, donc, était un instituteur laïque, mais un peu anticlérical quand même. Alors que sa mère était une couturière, donc, qu'il avait rencontrée à Aubagne, cette jolie petite ville, et qui est devenue donc son épouse et la mère de Marcel et André Pagnol, les deux frères.
Voilà. Alors, n'est-ce pas, c'est important de raconter cela parce que Marcel Pagnol est un fils de la Provence. Toute sa vie, il va avoir ce goût pour le soleil, pour cette région. Et surtout, c'est quelqu'un qui va être très marqué dans son enfance parce qu'il va avoir une enfance heureuse. Et quand on a une enfance heureuse, on est riche, quels que soient véritablement donc, les apports matériels ou financiers dont on dispose. L'enfance, c'est notre richesse. Et c'est le paradis perdu aussi, l'enfance. Et c'est de là que Marcel Pagnol va écrire pratiquement toute son œuvre. Et donc, retenez cela, quand il le raconte dans ses souvenirs, c'est-à-dire la gloire de mon père, le château de ma mère, etc., dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que vivre dans une petite ville de province et de Provence, au tout début du XXe siècle, eh bien, c'est une vie sans souci. Même si un instituteur n'est pas un personnage, disons, c'est peut-être un personnage qui est un notable, mais ça n'est pas quelqu'un qui gagne très bien sa vie. C'est une vie modeste, mais c'est une vie à laquelle on se fait parce que un instituteur est formé aussi à la mission qu'il a de transmettre le savoir. Il y a une anecdote comme cela qui est assez intéressante que je vais vous raconter tout de suite. C'est que le père de Marcel Pagnol avait un collègue de l'école normale, c'est-à-dire donc qui avait étudié avec lui pour devenir instituteur et qui avait eu comme premier poste nommé par l'éducation nationale dans un quartier populaire et dangereux de Marseille. Et au début, il était persuadé qu'il allait rester là quelques années, et puis qu'ensuite, peut-être, grâce à ses bonnes notes d'inspection, il pourrait progresser et aller dans des écoles plus prestigieuses. Or, quand il l'a rencontré longtemps après, au bord de la retraite, il s'est rendu compte qu'il était toujours dans cette même école. Et alors, il lui a dit « Mais tu as raté ta vie ?» Il dit « Non, au contraire, j'ai très bien réussi ma vie. » Quand je suis arrivé dans cette école, il y avait en moyenne 1 à 2 condamnés à mort par an qui étaient issus de cette école. Vous savez que Marseille a toujours été une ville un peu dangereuse, une ville de truands, une ville de contrebande, une ville de mafia. Et depuis que je suis là, maintenant que je vais partir à la retraite, eh bien, il y en a plus qu'un tous les 5 ou 6 ans. Donc voilà, il avait réussi sa vie. Parce que il avait compris finalement ce grand précepte de Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait une espèce de véritable sacerdoce, une mission des enseignants à cette époque. Et tout naturellement, le petit Marcel, eh bien, va avoir une grande admiration pour son père et pour ce que peut représenter l'enseignement. Déjà, quand il a 13 ou 14 ans, eh bien, il envisage de faire devenir professeur, enfin, de devenir enseignant, en tout cas. Il avait deux passions, il racontera ça quand il avait 15 ou 16 ans, il avait deux passions, la littérature et les filles. C'est pas mal, quand même. Voilà. Et d'ailleurs, il a honoré ces deux champs, puisqu'il a été marié plusieurs fois, qu'il a été un véritable tombeur et qu'il a eu des enfants de plusieurs mariages et même quelquefois hors mariage. Alors, n'est-ce pas, je vous parlais tout à l'heure de l'enfance. C'est très important parce que c'est le creuset de notre identité et de nos valeurs. N'oublions pas que cette Provence, c'est une région qui a toujours été un petit peu frondeuse par rapport au reste de la France. C'est une région qui se considérait comme à la fois une région un petit peu à part et une région beaucoup plus fière. Ce sont des Latins beaucoup plus que les gens du Nord, oui, avec un parler extrêmement imagé et un accent extrêmement chantant. L'accent de Marseille et de la Provence, qui n'est pas du tout le même accent que celui que l'on trouvera, par exemple, du côté de Toulouse.
Là, c'est un accent qui chante beaucoup plus. Si vous avez vu des films avec Fernandel ou Rému, etc., il y a cet accent extrêmement savoureux qui fait chanter le langage. Alors, quand il a 12 ou 13 ans, il raconte cela aussi, son père va obtenir de pouvoir louer une maison de campagne. C'est-à-dire que, alors qu'il est instituteur à Aubagne, eh bien, pendant les vacances et même quelquefois les fins de semaine, eh bien, ils vont partir dans cette maison qui s'appelle la Bastide Neuve. Alors, vous voyez, c'est pas vraiment neuf. Hein, une bastide, ça veut dire une grosse maison dans le parler du sud-est de la France. Et voilà, donc c'est une maison toute modeste, mais c'est la campagne. C'est la campagne, c'est la garrigue, ce sont les montagnes, et donc c'est un lieu paradisiaque pour les enfants. Et le père de Marcel Pagnol, donc, qui était un homme très vif, qui avait beaucoup de, on pourrait dire beaucoup d'intérêt, eh bien, va se lancer dans la chasse, et ça va être le thème essentiel de la gloire de mon père, donc les parties de chasse avec son père, son oncle, etc. Donc, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, pour vous donner une idée, voilà comment il était à l'époque. Vous voyez, c'est un petit garçon qui va au collège, qui n'était pas toujours très bien discipliné, qui était assez distrait, mais qui est un excellent élève et qui va commencer à écrire des poèmes qu'il va essayer de publier dans les revues de l'école ou du collège où il sera. Et puis, ensuite, donc, voilà ses parents, vous voyez, son père, tout à fait, avec sa grosse moustache d'instituteur, hein, de début du XXe siècle. Et il va commencer donc ses études supérieures à Marseille. Il va étudier donc et il va obtenir une licence d'anglais. Il veut devenir professeur d'anglais. Voilà. Alors quand il a terminé ses études, eh bien, il va essayer de profiter de sa situation de professeur d'anglais pour ne pas rester dans cette région, mais pour monter à Paris. C'est une des grandes attractions, n'est-ce pas, des jeunes intellectuels, d'aller à Paris. Alors, il va accepter des boulots, on pourrait dire, des emplois qui sont un petit peu inférieurs à sa formation, puisqu'il va même accepter donc de devenir surveillant d'internat et répétiteur dans des écoles et même au lycée Condorcet à Paris. Et pour lui, ce qui est intéressant, c'est d'être à Paris, de s'intéresser au cinéma, au théâtre et de rentrer dans la vie littéraire. Alors, il va avoir une vie un petit peu à Paris qui est un petit peu dissolu, pourrait-on dire. Il connaît les filles, il essaie de rencontrer des écrivains, il va dans les cabarets, dans les bistrots, et il va peu à peu, donc, avec sa faconde méridionale, donc devenir un personnage de cette vie. Ça, on est dans les années 20 à peu près, et il est à Paris où il, voyez, voilà, un jeune homme, un beau jeune homme qui fait des merveilles auprès des filles, qui est très apprécié. Et c'est là qu'il va connaître un certain nombre d'acteurs, et notamment cet acteur de théâtre qui s'appelle Rému. Et ça va être très important pour lui parce que, par la suite, il va faire de Rému l'un de ses acteurs fétiche au cinéma. C'est pour lui qu'il va écrire un certain nombre de films, notamment La femme du boulanger, etc. Peut-être des films que vous avez vus ou dont vous avez entendu parler. Toujours est-il que il va essayer de publier une première pièce de théâtre et ça va pas marcher du tout. Alors, c'est ce qu'on appelle un four, c'est-à-dire que la pièce est montée et il n'y a pas de succès. Et au contraire du succès, elle est complètement assassinée dans la presse. Heureusement, quelques années plus tard, en 1928, donc vous voyez, il a 23 ans, c'est ça ? 33 ans ? 33 ans. Il va donc mettre en scène une pièce de théâtre qui va avoir un succès énorme.
et qui s'appelle Topaze. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de cette pièce, Topaze. Je vais vous raconter très rapidement donc l'intrigue de cette pièce, qui contient des éléments autobiographiques, ou du moins des éléments qu'il a pu puiser dans son expérience. Topaze, c'est un pion de collège, c'est un instituteur raté, qui travaille dans une pension privée, qui s'appelle la pension Muche, où il est chahuté par les élèves, moqué par ses collègues, exploité par la fille du directeur et par le directeur de cette pension qui ne pense qu'à l'argent. Et voilà qu'un beau jour, donc, le directeur de cet établissement vient et lui dit « Il faut mettre une bonne note à cet élève. » Il vient avec la mère de l'élève qui ne comprend pas que son fils ait de si mauvaises notes. Alors, donc, ce pauvre Topaze dit « Mais écoutez, il a deux. » Je ne peux pas lui mettre plus que ça. Et donc, comme il n'accepte pas d'être corrompu, parce que cette femme lui fait entendre qu'il pourrait obtenir, grâce à son mari, les palmes académiques, c'est une décoration réservée aux enseignants, il est renvoyé. Voilà, il est renvoyé, donc il n'a plus d'emploi. Mais, ça c'est le premier acte, dans le deuxième acte, c'est une pièce en quatre actes, dans le deuxième acte, il se trouve qu'il va rencontrer la mère d'un des autres, de ses autres élèves, qui va le présenter à son mari, qui est un conseiller municipal véreux, ça existe, hein, n'est-ce pas ? Je me permets de vous préciser que des conseillers municipaux corrompus, ça existe. En tout cas, vous ne sauriez pas. Et donc, il va lui servir de prête-nom pour créer une entreprise qui va s'occuper de balayer les rues avec des nouvelles machines qu'on appelle des balayeuses. Et donc, voilà que ce pauvre Topaze, ne comprenant absolument rien aux finances ni à la vie politique, accepte de signer un contrat où il va être le directeur d'une entreprise fantôme qui va être celle qui va acheter puis louer les fameuses balayeuses pour la ville. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans le deuxième et le troisième acte, Topaze se rend compte que non seulement il a été utilisé, mais que il avait un salaire qui lui permettait quand même de devenir quelqu'un de respecté, d'important, comme gérant de cette compagnie de balayeuses. Et donc, voilà que notre Topaze, qui n'est pas du tout un imbécile, eh bien, va se rendre compte que, puisqu'on a voulu le rouler, l'exploiter, eh bien, s'il regarde les papiers, il est le gérant et donc le propriétaire de l'entreprise de balayeuse. Et donc voilà que à la fin, eh bien, Topaze devient un personnage qui a retourné la situation. Et n'oublions pas que cette pièce date de 1928, c'est-à-dire 28-29, c'est le moment du crack de Wall Street, c'est-à-dire de l'effondrement de l'économie internationale. N'est-ce pas ? Après la Première Guerre mondiale, il y avait eu un petit sursaut, mais dans les années 20 et 30, c'est la catastrophe. Donc voilà que cette pièce, qui a été écrite avant cette catastrophe de 1929, devient tout à fait d'actualité. Alors, nous allons lire, si vous le voulez bien, enfin si vous ne voulez pas, c'est pareil. Je vous propose donc de lire deux extraits de cette pièce pour que vous compreniez ce qui s'y passe et le style de Marcel Pagnol, qui est un style extrêmement, on pourrait dire, imagé, plein de métaphores, plein je n'ai pas l'accent de Marseille pour pouvoir vous le lire, mais cette pièce de théâtre a d'abord été jouée par de très grands acteurs, dont Louis Jouvet, par exemple. Ensuite, elle est devenue un film, et il y a eu un film il y a eu plusieurs films qui ont été tournés pour reprendre cette pièce qui, toujours aujourd'hui, est d'actualité. Comment un petit répétiteur, un petit prof, eh bien, d'un seul coup, peut se rendre compte que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais,
et que il y a une certaine malice à être plus malin que les malins. Voilà. Alors, nous allons lire la première partie. Cette première partie, c'est Tamise, qui est encore un professeur. Vous savez, il faut imaginer un petit professeur tout à fait étriqué, avec sa blouse, qui, dès qu'il écrit quelque chose au tableau, les élèves chahutent derrière lui. Il est méprisé. Mais comme il est méprisé aussi par le directeur de l'établissement, eh bien, il fait comme s'il ne comprenait pas. Parce qu'il n'a pas le choix, n'est-ce pas? Et ici, je pourrais vous raconter une anecdote qui concerne un autre enseignant, et qui était Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, l'un des plus grands poètes du début du XXe siècle, à l'égal de Baudelaire, de Rimbaud et de bien d'autres, n'est-ce pas? Qui n'avait pas de fortune personnelle et qui était lui aussi professeur d'anglais. Eh bien, toute sa vie, il allait au lycée où il donnait des cours d'anglais pour être chahuté. Personne parmi ses élèves n'avait conscience du génie de cet homme. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de tendresse et peut-être aussi même de charité à l'égard des professeurs qui se font chahuter. C'est pas forcément des mauvais professeurs, ce sont souvent des victimes. Voilà. Alors, voilà cette première scène où nous voyons trois professeurs qui causent entre eux pendant la récréation. L'un, c'est Topaz, il y a un autre qui s'appelle Tamise et le troisième qui s'appelle Panico. Et c'est une réflexion qui est très importante, elle est au début de la pièce parce que elle traite de la justice. Dans la classe, dans la pièce de théâtre, n'est-ce pas, dans la classe, c'est écrit sur des panneaux « bien mal acquis ne profite jamais », n'est-ce pas, des grands préceptes moraux. À cette époque-là, les instituteurs faisaient aussi des cours de morale. Oui. Sur un autre panneau, c'était « bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée », enfin des proverbes comme cela qui illustrent que finalement il est préférable d'être pauvre mais honnête que malhonnête et riche. Et c'est ce qui va se passer dans la pièce, justement, c'est ce retournement de situation. Alors voilà, Tamise dit, alors, vous avez choisi un bouc émissaire, un pauvre enfant qui paie pour tous les autres. Alors Panico est choqué, et Panico dit, ah, permettez Duhamel, c'est pour la musique seulement. En cas de boule puante, je punis le jeune Trembouze. Quand ils ont bouché le tuyau de poêle avec un chiffon, c'est Jusserand qui passera à la porte. Et si je trouve un jour de la colle sur ma chaise, ce sera tant pis pour les frères Gisser. Mais c'est un véritable système. Parfaitement, chacun sa responsabilité. Et ça n'est pas si injuste que ça peut en avoir l'air. Parce que voyez-vous, un élève qui avait une tête à boucher le tuyau du poêle, il est absolument certain qu'il le bouchera. Et 9 fois sur 10, c'est lui qui l'aura bouché. Mais la 10e fois, dit Topaz. Alors Panico répond avec noblesse, erreur judiciaire qui renforce mon autorité. Quand on doit diriger des enfants ou des hommes, il faut de temps en temps commettre une belle injustice, bien nette, bien criante. C'est ça qui leur en impose le plus. Évidemment, aujourd'hui, n'est-ce pas, le contexte actuel de l'éducation ne permettrait pas ni même de dire cela, ni même de le penser. Et vous savez que aujourd'hui, n'est-ce pas, les enfants ont tous les droits. Oui. Cette conversation avec l'accent. Voilà. Ça a une saveur bien, bien différente, évidemment. Je suis désolé, je suis du Nord. Oui, oui, oui. Alors, ça existe en film, n'est-ce pas? Vous pouvez trouver ça, même peut-être sur YouTube. Vous pouvez trouver des extraits de tout cela. Alors, nous allons passer à un autre extrait, mais qui se situe à un autre moment. C'est quand Topaz, justement, est devenu un personnage important et riche, et donc respecté. Il reçoit la visite de son ancien collègue Tamise, qui considérait que l'argent n'était pas important. Et voilà la leçon que va lui donner Topaz. Ah, l'argent,
Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre les yeux, regarde la vie, regarde tes contemporains. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dent invisible, une permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien ? Il a pris dans le coffre une liasse de billets. Regarde ces billets de banque. Ils peuvent tenir dans ma poche, mais ils prendront la forme et la couleur de mon désir. Confort, beauté, santé, amour, honneur, puissance, je tiens tout cela dans ma main. Tu t'effares, mon pauvre Tamise, mais je vais te dire un secret. Malgré les rêveurs, malgré les poètes et peut-être malgré mon cœur, j'ai appris une grande leçon. Tamise, les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde et ces petits rectangles de papier bruissants, voilà la forme moderne de la force. Évidemment, il y a beaucoup d'ironie là, hein, n'est-ce pas ? C'est pas forcément ce que pense Pagnol, ni même ce à quoi je vous demande de souscrire. Voilà, alors cette pièce a eu énormément de succès, comme je vous l'ai dit. Elle a d'abord été donc mise au cinéma par Marcel Pagnol lui-même, qui va découvrir le cinéma donc à partir de 1926. En 1926, n'oubliez pas qu'il a une licence d'anglais, donc il voyage, il est à Londres, et il va assister à un film parlant. Le premier film parlant auquel il va assister. Et ça va être pour lui une révélation. Il décide de se lancer dans le cinéma. Mais il n'y connaît rien. Et non seulement il n'y connaît rien, mais la plupart des acteurs, en France notamment, sont des acteurs du cinéma muet. Et donc, il est très difficile de faire comprendre à des jeunes acteurs de théâtre qu'ils pourraient aussi faire du cinéma. Vous savez qu'il y avait il y a toujours eu une rivalité entre le théâtre et le cinéma, et que la plupart des grands acteurs de théâtre ne daignent pas tourner au cinéma. De même que les acteurs de cinéma, donc, ont une espèce de mépris pour les acteurs du théâtre qui gagnent beaucoup moins d'argent que eux, puisque le public est beaucoup plus restreint au théâtre, même quand une pièce fonctionne bien. Regardez, c'est la différence qu'il y a encore aujourd'hui, dans la plupart des pays, n'est-ce pas, entre les grandes productions de cinéma qui rapportent des millions, des milliards de dollars, tandis que les acteurs qui se contentent du théâtre, eh bien, oui, alors ils sont peut-être à la Comédie française ou du théâtre élisabétain, etc. Mais ça reste des acteurs excellents, mais très confidentiels finalement. Oui, donc cette rivalité existait déjà. Toujours est-il qu'à ce moment-là, eh bien, Marcel Pagnol va abandonner la littérature pour se lancer dans le cinéma. Il va décider, donc à partir de Topaz, vous voyez ici, c'est avec Louis Jouvet, hein, Edwige Feuillère, voilà, ce sont des grands acteurs qui vont se lancer dans le... Vous voyez, en 1933, ce film, alors inutile de vous dire que l'affiche que j'ai mise ici, vous savez, les affiches de cinéma étaient en couleur parce qu'elles étaient sur la devanture des cinémas, mais le cinéma était encore en noir et blanc. Voilà, donc ce film, vous voyez, on voit d'un côté les balayeuses sur la droite et puis la classe de la pension Muche, vous voyez, avec Louis Jouvet dans le rôle de Topaz, vous voyez, avec sa barbichette et ses lorgnons, le type même de l'intellectuel raté qui est un petit prof nul, en tout cas peu reconnu. Hein, voilà, et puis très vite, donc, eh bien, Pagnol va se lancer, il a gagné beaucoup d'argent avec cette pièce. Et donc, il décide de se lancer dans le cinéma. Mais il va avoir beaucoup de difficultés parce que on considère que, eh bien, c'est un électron libre dans le cinéma. Il a des idées, mais il connaît rien à la technique. Et donc, il va se lancer en faisant des stages aux États-Unis. Vous voyez, c'est un homme qui veut apprendre. Il va à Hollywood
Et il va même signer des contrats avec la fameuse Paramount, vous savez, qui existe toujours, Paramount, on voit ça au début des films, et qui va être l'agent qui va lui apprendre à se servir de la pellicule, qui va lui apprendre ce que c'est qu'un plan, ce que c'est que toutes ces techniques pour la lumière et pour le son. Et d'ailleurs, Marcel Pagnol est réputé pour avoir été, depuis le début de sa vie de cinéaste, un personnage extrêmement, on pourrait dire, méticuleux sur le son, sur la qualité du son. C'était pour lui quelque chose de très, très important que l'on comprenne bien le texte, que l'on comprenne bien les dialogues. Voilà. Alors, il va se lancer dans un film auquel on va trouver à dire que ça va jamais marcher. Et c'est la fameuse trilogie dont vous avez entendu parler, Marius, Fanny et César. Marius, alors c'est le premier, n'est-ce pas? C'est ce jeune homme, vous voyez, qui est interprété par des grands acteurs. Il y a Pierre Freinet, vous voyez, c'est Pierre Freinet. Il y a Rému aussi, vous voyez? Pierre Freinet qui joue le rôle de Marius. Alors, c'est quoi l'histoire? Ça s'appelle la trilogie. Regardez, je vais la mettre tout de suite. On appelle ça la trilogie marseillaise, même si ça n'a pas. Vous voyez, c'est 31, 32, puis après 36. Marius, Fanny et César. Alors, ça se passe dans un bar, le bar de la Marine, sur le vieux port de Marseille. Alors, donc, Marius, c'est un jeune homme qui travaille dans le bistrot avec son père, mais qui ne rêve que d'une chose, eh bien, c'est de partir, et de partir comme marin. Mais, n'est-ce pas, il a une petite fiancée, un petit peu, on pourrait dire, clandestine, qui est Fanny. Alors, un beau jour, il décide donc de trouver une place sur un bateau qui part au long cours, qui va traverser la Méditerranée et qui va aller jusqu'en Amérique. Mais il se trouve que la nuit qui a précédé son départ, eh bien, il a fait ses adieux à Fanny, et ses adieux ont une conséquence qui est un enfant. Oui. Or, eh bien, Marius est parti. Il ne sait pas qu'il a engrossé Fanny. Et donc, la deuxième histoire, c'est celle de Fanny qui est tournée l'année suivante. Et cette pauvre Fanny, donc, a mis au monde un enfant qui est le fils de Marius. Mais on peut pas joindre Marius. Et quand enfin on arrive à savoir où il est et à lui écrire, eh bien, Marius, qui aime Fanny, mais qui n'est pas au courant, qui a été mis au courant de façon, on pourrait dire, un peu catastrophique de ce qui est arrivé, eh bien, va revenir, parce que l'amour est plus fort que tout, bien sûr. Et dans la troisième, eh bien, c'est César, qui est le père, donc, de Marius, et qui va donc accueillir son fils repenti, et tout est bien qui finit bien. Alors, n'est-ce pas, dans ces trois films, puisque ce sont d'abord des films avant d'être des dialogues qui vont pouvoir être lus et étudiés, eh bien, il y a des scènes absolument savoureuses, des gens qui jouent aux cartes. Rappelez-vous, il y a la fameuse scène où Panis, César, et je ne sais plus quel autre personnage sont en train de jouer aux cartes, et il y a un personnage qui ne comprend pas quelle carte il faut jouer, et le personnage de Panis lui dit « César, tu me fends le cœur, tu me fends le cœur », et l'autre ne comprend pas, qu'il dit « oui, c'est ça, tu comprends, ton fils est parti, ça me fend le cœur », et en fait c'est pour lui dire qu'il faut qu'il joue une carte qui est de la couleur du cœur. Voilà, des choses comme ça qui sont devenues une véritable anthologie et qui est dans la mémoire de beaucoup de Français qui ont vu ces films, aussi bien cette période-là que quand ils ont été, disons, remis au goût du jour, colorisés, c'est quelquefois un petit peu dommage, n'est-ce pas, et qui sont toujours, donc, que vous pouvez trouver dans les Blockbuster ou aussi sur Internet. Hein, voilà. Alors ça, c'est un énorme succès. Alors, il y a quelque chose qu'il faut retenir de Marcel Pagnol, c'est que il a énormément de succès,
Ces films sont très populaires. Ils parlent aux gens de leur vie, de leur petit tracas quotidien, avec une faconde et une beauté du langage et des scènes qui, finalement, l'intrigue de ces films est très simple. Mais la critique du cinéma est très cruelle. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce qui se passe quelquefois. Tout le monde adore le film, mais la critique cinématographique trouve que c'est nul. Alors, donc, on a envie de se dire, mais où est la vérité? C'est quand même le public qui décide. C'est plutôt le public qui a raison, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, on dit, et c'est vrai d'ailleurs, on dit que Pagnol est surtout un auteur de théâtre et que le cinéma qu'il fait, c'est du théâtre filmé. C'est un petit peu vrai parce que ça se passe toujours dans des ambiances un petit peu closes comme ça. Par exemple, Marius, tout se passe dans ce café, le bar de la Marine qui est sur le port de Marseille. Vous voyez, les personnages qui ont les magasins à côté rentrent et sortent, mais tout se passe dans ce bar. Oui. Pour Fanny, il y a aussi très peu de scènes à l'extérieur. Voilà. Donc, n'est-ce pas, à ce moment-là, donc, Marcel Pagnol, qui gagne beaucoup d'argent avec ses films, qui sont de véritables succès, va décider de monter ses propres studios. Dans la région d'Aubagne, d'ailleurs, il va essayer, il y a une anecdote qui nous dit qu'il essaie de trouver un endroit où il pourrait avoir une espèce de phalanstère, comme ça, un lieu où habiterait toute la production, les acteurs, les caméramens, les ingénieurs du son, tout le monde habiterait là ensemble. Quelquefois, il écrivait même ses dialogues d'un jour sur l'autre. C'était pas un dialogue qui était prévu à l'avance. Il est à la fois metteur en scène, dialoguiste, ami des acteurs, n'est-ce pas? Par exemple, une fois, il s'est disputé avec un des grands acteurs de l'époque qui s'appelle Fernandel, parce que Fernandel attendait de la scène qu'il devait jouer et Marcel Pagnol n'avait pas terminé sa partie de pétanque avec Rému et d'autres acteurs, et donc ça n'allait pas. Alors on a dit que ça, donc c'est disputé, vous voyez, des grandes disputes comme ça, comme il peut y en avoir dans le sud de la France, où les gens crient beaucoup, sont très théâtraux, démonstratifs, et puis cinq minutes après, ils s'embrassent. Enfin, c'est une mentalité très latine, vous voyez, ça fait un peu penser, d'ailleurs, au cinéma italien, quelquefois. D'ailleurs, Rossellini lui-même dira, Marcel Pagnol c'est le maître du réalisme. Ce que j'ai fait, moi, après la guerre, c'est le réalisme italien, c'est directement tiré de Marcel Pagnol. Vous voyez, donc, c'est quand même quelque chose, c'est une référence, quand même. Et puis, il y a d'autres cinéastes qui ont encensé Marcel Pagnol, des cinéastes, et même Spielberg, par exemple. Oui. Et parmi les critiques de cinéma, il y en a certains, notamment ceux de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire François Truffaut, qui trouvait que le cinéma de Marcel Pagnol était quelque chose d'insurpassable dans son style, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, à ce moment-là, Marcel Pagnol, donc, il attrape un petit peu la grosse tête, parce que il va commencer à faire des films avec des thèmes qui ne sont pas les siens. Il va, par exemple, adapter Tartarin de Tarascon, qui, comme vous le savez, est un roman facétieux d'Alphonse Daudet, qui se passe justement à Tarascon, c'est-à-dire aussi en Provence. Alors, vous voyez, il va faire un film là-dessus. Ce qui a beaucoup de succès, d'ailleurs, parce que si vous regardez bien, il y a Rému, vous voyez, Marcel Pagnol, d'après Alphonse Daudet. Et puis, si nous regardons aussi les affiches, n'est-ce pas, elles sont faites par des gens qui étaient des grands dessinateurs de l'époque. Hein, ça, oui, vous reconnaissez peut-être. Donc, c'est ce dessinateur debout, hein, qui était très célèbre pour ses caricatures et qui était donc quelqu'un de très célèbre. Donc, ça, tout ça participe, n'est-ce pas, on pourrait dire de la gloire de Marcel Pagnol.
Alors nous allons passer toute cette période, il ne décrit pas sinon les scénarios de ses films. Et regardez, donc aussi bien Marcel Pagnol utilise aussi bien Alphonse Daudet que, par exemple, Angèle, qui est tirée d'un roman qui s'appelle Un de Beaumugne, qui est un roman de Jean Giono, qui est aussi un auteur du Sud-Est. Jean Giono, j'avais fait une présentation sur lui. Il est de Manosque, c'est un petit peu plus haut dans les Alpilles, mais c'est aussi un auteur donc de cette région. Il y a toujours cette identité provençale qui est importante. Vous voyez, nous sommes en 1934. Vous voyez, ça va à toute vitesse. Il enchaîne film sur film. Il gagne beaucoup d'argent. Et regardez, par exemple, en 1937, Regain, qui est lui aussi tiré d'un roman de Jean Giono. Et puis, un autre film qui va avoir beaucoup de succès, qui s'appelle Le Spunz, et qui est écrit par Marcel Pagnol lui-même, et qui raconte l'histoire d'un idiot du village qui assiste au tournage d'un film. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, il y a une espèce de mise en abîme, c'est un film dans le film. Ça raconte l'histoire donc du tournage d'un film dans un village de Provence, et puis il y a le béné du village qui vient là et qui dit ben moi aussi je pourrais peut-être faire un acteur dans ce film. Et alors les acteurs et tous les techniciens qui sont là se moquent de lui et lui disent mais oui bien sûr pourquoi pas tu es drôle. Et donc, ils vont lui faire signer un faux contrat. Et puis, finalement, donc, il va monter à Paris en s'imaginant qu'il va devenir un grand acteur. Et puis, il va découvrir que, justement, eh bien, il a été la victime de mauvais plaisants, de gens assez cruels qui se moquent, justement, des provinciaux, qui se moquent de tous ces gens un petit peu simples et simples au sens le plus noble du mot pour rire. Voilà, donc ces quatre films, vous voyez, ça se termine en 38, pratiquement juste avant la guerre. Il y en a un autre en 38, La femme du boulanger, qui est un superbe film, écrit à toute vitesse par Marcel Pagnol, et qui est un film qu'il a écrit pour son acteur fétiche. Son acteur fétiche, c'est Rému. Si vous avez l'occasion de voir ce film, n'est-ce pas, c'est l'histoire du boulanger, dont la femme part avec un jeune homme. Et quand elle, n'est-ce pas, il y a une réplique qui est très célèbre, n'est-ce pas, où on lui dit à ce boulanger qui est triste comme tout, parce que sa femme est partie, évidemment tout le monde se moque de lui dans le village. Et alors il y a quelqu'un au bistrot qui lui dit « Alors, tu es cocu ?» Et il dit « Non, je ne suis pas cocu, je suis malheureux. » Jusqu'au moment où sa femme va revenir et il y a ce dialogue merveilleux parce que à ce moment-là, il ne sait pas comment dire à sa femme qu'il l'aime toujours et qu'elle peut revenir. Et donc à ce moment-là, il y a le chat qui rentre, une chatte qui rentre dans la pièce. Alors il s'adresse à la chatte et dit « Ah, te voilà !» Tu es une rouleuse, tu vas voir les matous, mais tu sais que ici tu seras toujours chez toi, c'est ta maison, et tu sais qu'on t'aimera toujours, tu pourras revenir ronronner, etc. Une espèce de métaphore filée, extrêmement subtile, qui a fait pleurer la France entière en voyant ce film, donc juste avant la guerre, voyez, en 1938. Il existe, vous pouvez trouver ces dialogues-là, il y a certains dialogues qui sont, on pourrait dire, presque tellement d'anthologies que vous les trouvez sur YouTube, des petits extraits. Hein, voilà. Et puis, si vous avez des outils beaucoup plus performants, vous pouvez même voir les films complets. Il faut être, je crois, un petit peu astucieux, mais enfin, on y arrive. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est 1938. Et puis, en 1940, voilà ce qui s'est passé. Juste avant le début de la guerre, il y a une histoire assez amusante. Marcel Pagnol est à Paris et comme je vous l'ai dit, il cherche un lieu où il va pouvoir créer une espèce de cité du cinéma, un peu comme le Cinecittà italien, n'est-ce pas, où il pourra réunir les acteurs, le producteur, les techniciens dans une espèce de vie communautaire comme ça.
et on lui propose un château à vendre. Alors, il demande le prix. Il est immensément riche, n'est-ce pas, à ce moment-là. Et il dit d'accord. Donc, il achète le château sans l'avoir vu. Or, il se trouve que quand il va descendre et qu'il va voir ce château, il va se rappeler de son enfance. Et c'est ce qui va donner naissance à ce livre qui s'appelle « Le château de ma mère ». Sa mère ne possédait pas de château, mais pour aller à la Bastide neuve, il y avait un raccourci qui, au lieu de faire le tour d'une propriété, permettait de traverser cette propriété de façon un petit peu clandestine. Et cette propriété, c'était justement le château que, sans le savoir, il avait acheté. Il raconte ça au début du château de ma mère, donc c'est une très belle histoire, mais c'est la vérité. Et quand il écrira ses souvenirs, il appellera le deuxième tome « Le château de ma mère ». Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire pendant la guerre? Eh bien, au début, comme tout le monde, il est tellement surpris par la défaite en 1940, n'est-ce pas, qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rallier le maréchal Pétain ou bien est-ce qu'il va, disons, être un collaborateur? Il ne sait pas du tout. Et donc, il va y avoir une période, il y a ce film qui s'appelle « La fille du puisatier », justement avec, regardez, Rému Fernandel et Josette Day. Josette Day qui deviendra d'ailleurs l'une des femmes de Marcel Pagnol. Ce sont de très grands acteurs de l'époque. Et il ne sait pas quoi faire. Mais regardez, n'est-ce pas, cette affiche qui est de Dubout, dont je vous parlais tout à l'heure, et où nous voyons Rému avec son gros ventre, Fernandel qui est tellement ému, regardez, qu'il verse le vin à côté de son verre. Les puisatiers, n'est-ce pas, ça rappelle quelque chose de très important en Provence. Ce sont ceux qui trouvent les sources et qui creusent les puits. Vous savez, l'eau, c'est quelque chose de très important en Provence. On en parlera tout à l'heure avec « L'eau des collines », qui est un des très beaux films, puis livre de Marcel Pagnol. L'importance d'avoir de l'eau sur une propriété, une source ou un puits qui permet d'avoir de l'eau pour arroser et pour que la terre soit fertile. Voilà. Alors ici, c'est l'histoire, n'est-ce pas, toujours un petit peu la même. Rému, qui est l'entrepreneur qui creuse des puits, et il a un ouvrier qui est Fernandel et qui est un petit peu soso, mais qui est amoureux de la fille de son patron. Alors évidemment, le patron ne veut pas que sa fille épouse un simple manœuvre. Et donc, voilà, l'intrigue est mise en place jusqu'au moment où évidemment, eh bien, tout se termine bien, l'amour triomphe toujours du pouvoir et de l'argent. Voilà. Mais ça, c'est en 1940, et il faudra attendre 1945 pour que Marcel Pagnol renoue avec le cinéma. Il a donc pris une décision, c'est de ne pas collaborer et de ne pas participer donc à des activités qui nécessitaient plus ou moins de collaboration avec l'ennemi, puisque vous savez que pendant la guerre, la France étant occupée, la partie nord jusqu'en 1942, et puis ensuite toute la France, eh bien, il y avait une commission de censure qui était menée par les nazis, enfin par les Allemands, et qui disait quel film avait le droit d'être produit et d'autres pas. Et quand un film avait le droit d'être produit, eh bien, il pouvait bénéficier d'un certain nombre de subventions de la part de l'occupant. Et donc, c'était une forme de collaboration. Et Marcel Pagnol a refusé cela totalement. Il y a un autre film qui a été terminé pendant l'occupation et qui lui non plus n'a pas voulu profiter de la commission de censure, c'est ce fameux film « Les enfants du paradis ».« Les enfants du paradis » qui a été tourné en partie dans les studios du Sud. Alors, c'est Marcel Carné, c'est un des très grands films du cinéma français, avec des acteurs prodigieux comme Brasseur ou bien Jean-Louis Barrault, etc. Arletty. Donc, qui ne sera terminé qu'après la guerre.
Voilà. Donc, un autre film, Naïs. Alors, ce film est tiré, comme vous pouvez le lire ici, n'est-ce pas, d'une nouvelle de Maupassant. Ah non, pardon. D'Émile Zola, d'un roman d'Émile Zola qui s'appelle Naïs aussi. Voilà, donc il adapte un roman donc de Zola qui est un grand écrivain de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Voilà, donc nous sommes en 1945, les affaires reprennent. Vous savez que pendant la guerre, justement, le cinéma était l'un des lieux où on pouvait se réfugier. Il faisait chaud dans les cinémas, alors que pendant la guerre, eh bien, il n'y avait pratiquement pas de chauffage. La France était occupée et on pourrait dire, toute la production française partait en Allemagne. Les gens avaient faim. Dans les villes, surtout, les gens avaient faim, non pas parce qu'ils étaient pauvres, mais parce qu'il n'y avait rien dans les magasins. Il y avait des tickets de rationnement, etc. Et donc, comme il n'y avait pas de chauffage, eh bien, les gens se réfugiaient au cinéma, au théâtre. Et il y a eu toute une production artistique assez importante de cinéma et de théâtre jusqu'en 1944, pratiquement. Je rappelle, par exemple, que Huis clos de Sartre, Les Mouches aussi, eh bien, ce sont des pièces de théâtre qui sont produites pendant la guerre. Oui. Les gens vont au théâtre. On n'a pas besoin d'acheter le livre et on se fait endoctriner sans le savoir. C'est intéressant. Voilà. Alors, à partir de 1945, après la guerre, eh bien, il va se lancer dans quelque chose qui ne va pas être très, très, disons, très heureux. Il va faire un film musical, une comédie musicale, avec son ami Tino Rossi. Tino Rossi, vous savez, qui était un chanteur corse. Et donc, qui était un ami de Marcel Pagnol, et qui, donc, ils vont tourner ensemble la Belle Meunière à partir de du fameux Lieder de Schubert. Voilà. Ça va pas être un grand succès. Aujourd'hui, on le regarde plus comme une pièce d'anthologie. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire une thèse sur Marcel Pagnol, vous n'y couperez pas. Il faudra absolument que vous visionniez ce film. Voilà, un joli thème de thèse. Thèse de doctorat sur Marcel Pagnol. Il y a très peu de choses d'ailleurs, c'est très curieux. Il y a très très peu de choses sur Marcel Pagnol dans les écrits universitaires ou savants, parce que, comme je vous ai dit, il est considéré comme un écrivain mineur, mais il est considéré comme un écrivain mineur par des gens qui n'ont rien écrit, n'est-ce pas ? Et d'une certaine façon, les critiques, vous savez, sont souvent des écrivains ratés et qui aiment bien assassiner les gens auxquels ils n'ont pas accès. Voilà, alors ça c'est un film qui ne va pas avoir beaucoup de succès, mais il y en a d'autres. Le Rosier de Madame Husson, ça s'est tiré d'une nouvelle de Maupassant. Vous voyez, nous sommes déjà en 1950. Et puis, entre-temps, eh bien, il s'est passé quelque chose juste après la guerre, c'est-à-dire entre cette période-là. Marcel Pagnol a été élu à l'Académie française. Et ça, pour beaucoup, c'est une véritable révolution, parce que c'est un auteur de films. C'est le cinéma qui, et les dialogues de films et de théâtre, donc, qui rentrent à l'Académie française. D'ailleurs, un écrivain dira, un membre de l'Académie française, « Monsieur Marcel Pagnol est entré à l'Académie française, mais il n'est pas entré par la grande porte, il est entré par la fenêtre ». Voilà. Donc, il devient académicien. C'est la raison pour laquelle j'avais mis cette photo de lui en costume d'académicien sur la première page. Et il est très fier d'être membre de l'Académie française. D'ailleurs, il assistera à toutes les séances autant que possible. Il va commencer à écrire à ce moment-là ce qui deviendra non pas une trilogie, mais c'est ce double roman qui s'appelle L'eau des collines et qui est d'une part Jean de Florette et Manon des Sources, qui a été mis au cinéma il n'y a pas très longtemps, alors qu'il y avait déjà eu une mise au cinéma par Marcel Pagnol, mais dont nous parlerons tout à l'heure.
Voilà. Alors, c'est la grande période, n'est-ce pas, où il va à nouveau continuer à publier. Regardez, il va faire à nouveau un topaz, mais avec d'autres acteurs. Notamment, vous voyez, avec Fernandel dans le rôle de Topaz. C'est un film en noir et blanc qui est un morceau d'anthologie. Marcel Pagnol est un excellent acteur, Fernandel est un excellent acteur, mais qui malheureusement va se brouiller avec Fernandel sur la fin de leur vie, et ça va être un petit peu dommage pour le couple qu'ils pouvaient former, puisque à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marcel Pagnol, comme la plupart des scénaristes, va écrire ses films en fonction des acteurs. Hein? Aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Si vous adaptez un roman, par exemple, et que après vous cherchez les acteurs. Mais si vous écrivez un film, le scénario d'un film, en sachant que le personnage va être interprété par tel acteur, que ce soit Rému, que ce soit Louis de Funès, Fernandel, Bourvil, etc. Eh bien, vous écrivez en fonction de la personnalité de l'acteur. Et donc, le personnage sera tout à fait adapté à l'acteur qui va l'incarner. Oui. Alors, c'est ce qui va se passer avec cette version de Topaz, qui sera interprétée par Fernandel et par, regardez, Jacqueline Pagnol. Il fait jouer sa fille dans le rôle de Mademoiselle Muche. Voilà. Nous continuons avec encore donc deux films, Manon des Sources et Ugolin, qui deviendra donc en fait c'est Jean de Florette et Manon des Sources. Ces deux films seront repris ensuite avec d'autres titres. Alors c'est intéressant parce que, n'est-ce pas, à ce moment-là, Marcel Pagnol va se passer quelque chose dans sa vie, quelque chose de terrible, c'est que une de ses filles va décéder à l'âge de 4 ans. Il va perdre une petite fille, et c'est évidemment un drame pour tous les parents auxquels ce genre de drame peut survenir, et il va décider d'arrêter le cinéma, au moins pendant un temps, et il va décider à ce moment-là de se lancer dans l'écriture de ses souvenirs. Et ses souvenirs, eh bien, c'est cette fameuse tétralogie, c'est-à-dire les 4 tomes, La gloire de mon père. Il a besoin de se tourner vers son passé. Je pense que le malheur d'avoir perdu un enfant et la vie de cinéaste et d'homme, on pourrait dire, public, eh bien, lui le font réfléchir. Et il décide donc de se tourner vers son passé et d'essayer de comprendre qui il est en essayant de raconter ses souvenirs. Et ça va être son chef-d'œuvre dans le fond, n'est-ce pas ? La gloire de mon père, le premier tome, Le château de ma mère, dont je vous ai parlé un tout petit peu, Le temps des secrets, qui est celui de l'adolescence, et Le temps des amours, qui ne sera publié qu'après son décès en 1975, puisque lui est décédé en 1974. Voilà. Alors, après ce tour d'horizon des films qui ont fait l'essentiel de sa vie et de sa fortune, c'est un homme extrêmement riche qui habite, il est un peu instable, alors il habite en Suisse, après il revient aux alentours de Paris, ensuite il achète une propriété en Provence, enfin il va être finalement très, très instable. Mais il s'attelle à l'écriture de ses souvenirs. Or, vous savez, l'histoire de la gloire de mon père, qui n'est qu'un détail de ce premier tome, qui est le fait que son père ait réussi à la chasse, alors qu'il n'avait jamais chassé. Il part à la chasse avec son frère, c'est-à-dire l'oncle de Marcel, et Marcel n'a pas eu le droit de venir à la chasse, mais il a entendu les chasseurs se lever, et il les suit, et jusqu'au moment où il va assister à la gloire de son père, qui s'appelle le coup du roi. Le coup du roi, quand on est chasseur, ça veut dire d'arriver à tuer deux pièces de gibier avec les deux coups du fusil.
Et là, il s'agit de tuer donc les Bartavelles. Les Bartavelles, ce sont des espèces de faisans qui sont plutôt donc du sud-est de la France. Et or, il va réussir ce coup du roi qui va être sa gloire. Et après, il y aura une photo, mais je vais vous en parler plus en détail. Alors, allons lire un extrait de cette gloire de mon père où vous allez découvrir justement le style écrit de Marcel Pagnol, même si ça n'est pas fait. C'est fait pour être lu et non pas pour être interprété par des acteurs de théâtre ou de cinéma. Vous allez voir à quel point c'est à la fois vivant, malicieux, remarquablement bien écrit, et tout à fait encore actuel. Je rappelle que ces quatre livres, enfin, au moins les trois premiers, continuent à être des classiques lus dans les écoles, que ce soit au collège ou au lycée, même si beaucoup de professeurs de lycée considèrent eux aussi, qui n'ont jamais rien écrit, que Marcel Pagnol est un écrivain mineur. Voilà, alors nous allons commencer donc à lire un certain nombre de textes. Voici donc ce premier extrait de La gloire de mon père qui est paru, comme vous le voyez, en 1957. 54, comme je vous ai dit, c'est le décès de sa fille. Il se replie un peu sur lui-même et il décide donc de se lancer dans l'écriture de ses souvenirs. Voilà le texte. Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit, et fort heureusement raccourci aux deux bouts par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s'appelait Augustine et la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Vous voyez, c'est un très beau portrait. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien aux boules, et qui gagnait infailliblement 54 francs par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres et s'installa dans un appartement d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que 19 ans, et elle les eut toute sa vie, elle conçut de graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtrait jamais parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas le faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait, furieuse, « Quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça !» et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire entre deux crises de sanglots. Voilà. Alors, c'est d'autant plus, n'est-ce pas, charmant que, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais quand il aura 15 ans, sa mère va décéder. Donc, n'est-ce pas, c'est une mère qui n'a pas vieilli. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est un très beau texte qui commence le roman. Et encore un autre texte qui est très connu, celui-là. Le jeudi était un jour de... Le jeudi, je rappelle qu'à l'époque, c'était le jour où il n'y avait pas de classe. Parce qu'il y avait classe le samedi, donc il y avait lundi, mardi, mercredi. Et puis ensuite, il y avait jeudi, vendredi et samedi. Oui. Donc le jeudi, c'était le jour sans classe. Il existe d'ailleurs en français une expression qui dit « c'est la semaine des quatre jeudis ». Tous les élèves attendent la semaine des quatre jeudis, c'est-à-dire une semaine où il n'y aura pas d'école.
Voilà. Le jeudi était un jour de grande toilette et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux. Je commençais par m'habiller, des pieds à la tête, puis je fis semblant de me laver à grande eau, c'est-à-dire que 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion, je composais la symphonie des bruits qui suggère une toilette. J'ouvris d'abord le robinet du lavabo et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux. Ainsi, mes parents seraient informés du début de l'opération. Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de 4 ou 5 minutes, je tournai brusquement le robinet, qui publia sa fermeture en faisant d'un coup de bélier trembler la cloison. J'attendis un moment que j'employais à me coiffer. Alors, je fis sonner sur le carreau le petit tub de tôle et je rouvris le robinet, mais lentement, à très petits coups. Il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé. Je le laissai couler une bonne minute, le temps de lire une page des Pieds Nickelés. Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention « à suivre », je le refermai brusquement. Mon succès fut complet, car j'obtins une double détonation qui fit onduler le tuyau. Alors, un petit détail, les Pieds Nickelés, c'était une des premières bandes dessinées. Vous vous rappelez, il y a Croquignol, Filochard et je ne sais plus quel est le nom du troisième. Peu importe. C'est les trois Pieds Nickelés, c'était les premières bandes dessinées. Voilà. Vous voyez. Donc, l'humour quant à soi et quant à sa propre enfance. Alors, ensuite, n'est-ce pas, nous allons lire le passage où il est question justement de cette chasse mémorable et où le petit Marcel donc avait été trompé par son père et son oncle qui lui avait dit qu'il l'emmènerait avec eux, mais qui était parti une heure plus tôt sans faire de bruit. Et quand Marcel s'est rendu compte de cela, il est parti fou de rage dans la campagne à la recherche de son père et de son oncle qu'il a fini par retrouver au moment où ces oiseaux se sont envolé et qu'il a pu faire ce fameux coup du roi. Alors, nous allons lire ce passage. Je vais me tourner ici parce que c'est un petit peu petit sur mon écran. J'aurais bien voulu, comme Robinson, adresser au ciel une fervente prière pour obtenir la pluie de la Providence. Mais des prières, je n'en savais pas. Et puis la Providence, qui n'existe pas mais qui sait tout, n'avait que fort peu de raisons de s'intéresser à moi. Cependant, j'ai entendu dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pensais donc que mon courage valait une prière et je continuais tout en pleurant mes transports. « Ce qui est sûr, pensais-je, c'est qu'ils vont se mettre à ma recherche. Ils alerteront les paysans et quand la nuit sera tombée, je vais voir monter vers moi un long rang de torches de bois résineux. Ce qu'il faudrait, ce serait que je puisse allumer un feu sur le plus haut rocher de la montagne. Par malheur, je n'avais pas d'allumette. Quant au procédé indien qui réussit sans la moindre difficulté à faire flamber de la mousse sèche par le simple frottement de 2 morceaux de bois, j'avais essayé plusieurs fois de le mettre en pratique, même avec l'aide de Paul qui s'époumonnait à souffler, je n'avais jamais pu obtenir la moindre étincelle. J'avais considéré mon insuccès comme définitif parce que dû au manque d'un bois spécialement américain et d'une espèce particulière de mousse. La nuit serait donc noire et terrible, peut-être la dernière de ma vie. Voilà, l'enfant s'est perdu, il ne retrouve pas la trace des chasseurs et donc il se souvient de ses lectures de Robinson Crusoe et d'autres pour savoir comment s'en sortir. Voilà où m'avait mené ma désobéissance et la félonie de l'oncle Jules qui avait dit qu'il fallait partir sans prévenir l'enfant. Alors me revint en mémoire une phrase que mon père répétait souvent et qu'il m'avait fait copier plusieurs fois quand il me donnait des leçons d'écriture, cursive, ronde, bâtarde. Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Il m'en avait longuement expliqué le sens et m'avait dit que c'était la plus belle phrase de la langue française. Je la répétais plusieurs fois et comme par une formule magique, je sentis que je devenais un petit homme. J'eus honte d'avoir pleuré, honte d'avoir désespéré. Je m'étais perdu dans la colline, la belle affaire. Depuis mon départ de la maison, j'avais presque toujours monté des pentes assez raides. Je n'avais qu'à redescendre et je trouverais certainement un village, ou du moins une route civilisée. Je mangeai gravement la seconde moitié de l'orange, puis les mollets brûlants et les pieds meurtris, je m'élançai au pas de course sur la faible pente du plateau. Je me répétais la phrase magique et je bondissais par-dessus les cadres et les genévriers. Sur ma droite, le soleil commençait à rougeoyer derrière des écharpes de nuages, comme sur les boîtes de confiserie que donnent les tentes à Noël. Je courus ainsi plus d'un quart d'heure, d'abord léger comme une gerboise, puis comme une chèvre, puis comme un veau, et je m'arrêtai pour reprendre haleine. En me retournant, je constatai que j'avais parcouru au moins 1 kilomètre et que je ne voyais plus les 3 ravins engloutis dans l'immense plateau. Voilà, un enfant perdu qui ne sait plus trop quoi faire et quoi dire. Alors voilà la région, n'est-ce pas ? C'est le mont Garlaban qui se trouve là. Il écrit toujours dans ce roman, n'est-ce pas ? « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. » Et puis ensuite, après, évidemment, il y a le moment où son père tue ces fameuses Bartavelles et où il se retrouve, mais il se passe quelque chose. C'est que son père était un véritable anticlérical, comme je vous l'ai dit, mais le seul personnage qui avait un appareil photo dans le village, c'est le curé. Et donc, il va se faire photographier avec ses Bartavelles par le curé. Et voilà quelle sera la phrase qui figure dans le roman. « J'avais surpris mon cher surhomme, c'est-à-dire son père, en flagrant délit d'humanité. Je sentis que je l'en aimais davantage, alors je chantai la farandole et je me mis à danser au soleil. » C'est la dernière phrase. Ce flagrant délit d'humanité, c'est les contradictions que nous avons tous, n'est-ce pas ? Il est un anticlérical, mais la seule personne qui peut prendre une photo, c'est le curé, et on saisit l'occasion. Le voilà, vous voyez, ça c'est une photo qui a été refaite après, n'est-ce pas ? Mais où on voit les 2 Bartavelles attachées à la ceinture du père et l'enfant sur le côté. Voilà, ça c'est la gloire de mon père, le premier roman. Le premier tome des souvenirs. Le second, c'est le château de ma mère, n'est-ce pas ? Alors, regardez comment ça commence. Ça commence aussi par une très belle introduction. Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau, celle des moulins. 5 ans plus tard, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. De cette terrible journée, je n'ai aucun autre souvenir, comme si mes 15 ans avaient refusé d'admettre la force d'un chagrin qui pouvait me tuer. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Encore 10 ans et je fondais à Marseille une société de films. Le succès couronna l'entreprise et j'eus alors l'ambition de construire sous le ciel de Provence la cité du cinéma. Un marchand de biens se mit en campagne à la recherche d'un domaine assez grand pour accueillir ce beau projet. Il trouva mon affaire pendant que j'étais à Paris et c'est par le téléphone qu'il m'informa de sa découverte. Mais il m'apprit en même temps qu'il fallait conclure la vente en quelques heures car il y avait d'autres acheteurs. Son enthousiasme était si grand et je le savais honnête, j'achetais ce domaine sans l'avoir vu. C'est l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Ah, attendez. Voilà.
Alors le voilà, ce château, vous voyez. Le temps passe et il fait tourner la rive comme l'eau des moulins. Ça, on l'a lu. Ah non, telle est la vie des hommes. Voilà, c'est voilà le château en question. Je regardais orgueilleusement la naissance d'une grande entreprise lorsque je vis au loin, en haut d'un remblai, une haie d'arbustes. Mon souffle s'arrêta et sans en savoir la raison, je m'élançai dans une course folle à travers la prairie et le temps. Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance avec ses aubépines, ses clématites, ses églantiers chargés de fleurs blanches, ses ronciers qui cachaient leurs griffes sous les grosses mûres grenues. Tout le long du sentier herbeux, l'eau coulait sans bruit, éternelle, et les sauterelles d'autrefois, comme des éclaboussures, jaillissaient en rond sous mes pas. Je refis lentement le chemin des vacances, et de chères ombres marchaient près de moi. C'est quand je le vis à travers la haie, au-dessus des platanes lointains, que je reconnus l'affreux château, celui de la peur de ma mère. Mais dans les bras d'un églantier, sous des grappes de roses blanches et de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du colonel. Quand le colonel propriétaire du château avait surpris, eh bien, au lieu d'être un ogre méchant, il avait offert des roses à Madame Pagnol. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour toujours inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. Voilà, alors ce texte-là, malgré le fait que l'on ait beaucoup dit que c'était un écrivain mineur, eh bien ce texte a été très souvent utilisé pour illustrer donc l'effet du souvenir et le retour du souvenir dans la psychanalyse. Regardez qu'il mêle le temps, on pourrait presque imaginer presque une conception proustienne du temps. Il revit l'événement 20, 10 ans, 15 ans plus tard, n'est-ce pas, alors qu'il achète ce bien, apparemment par hasard, mais la psychanalyse nous dit qu'il n'y a pas de hasard et que tout est finalement inclus dans les actes manqués et dans les actes que nous posons et qui, la plupart du temps, nous disent exactement qui nous sommes et aussi qui nous avons été. Voilà. Voilà ce très beau texte. Alors, nous passons maintenant au troisième tome, Le Temps des Secrets. Vous voyez, nous sommes en 1959. Ces livres ont énormément de succès. Hein, aussi bien La Gloire de mon père que Le Château de ma mère sont des livres qui se vendent très, très bien. Et Marcel Pagnol, une fois de plus, eh bien, fait mentir les critiques. N'est-ce pas? On dit que c'est un auteur mineur, mais tout le monde achète ses livres. Voilà. Alors, voilà ce texte. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui commence à être, n'est-ce pas, c'est un adolescent qui commence à avoir des désirs au niveau de l'affectivité et de la sexualité. Et voilà qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille. Tout le monde dit que c'est un garçon manqué. Alors, voilà ce qu'il en sort. Pour moi, le mot « garçon manqué » signifiait que ces mots « garçon manqué » signifiaient que les filles n'étaient qu'un faux pas de la nature, le résultat d'une erreur au cours de la création d'un garçon. Voilà pourquoi elle rougissait sans motif, riait d'un rien, pleurait pour moins encore et vous griffait pour un compliment. Voilà pourquoi, ne sachant ni siffler ni cracher, elle tombait des arbres, inventait d'inutiles mensonges et se livrait en cachette à des manigances devant les miroirs. C'était des garçons manqués. Moi, garçon réussi, je ne rougissais jamais, je ne riais pas sans motif et personne, sauf ma mère, n'aurait pu dire qu'on m'avait vu pleurer. Moi, j'étais fort et Clémentine m'appelait quand il fallait porter un seau plein d'eau. Je savais siffler comme un oiseau et même en repliant ma langue sous deux doigts. Quant à cracher, je le dis sans modestie, j'égalais presque Magiapan qui, dans ses beaux jours, lançait des étoiles de salive jusqu'à des 5 ou 6 mètres. Et je n'étais jamais tombé d'un arbre comme le fragile garçon manqué. Cependant,
tout le monde s'intéressait aux filles. Et sans que je puisse comprendre pourquoi, il me fallait bien reconnaître qu'elles me plaisaient. C'est au cours d'une méditation le soir dans mon lit que je découvris plusieurs raisons qui justifiaient leur existence. Tout d'abord, leurs défauts faisaient valoir mes qualités et permettaient d'en mesurer l'étendue. Voilà. Alors il va, n'est-ce pas, un beau jour, il raconte une autre histoire, toujours dans le temps des secrets, comment finalement l'amour est capable de trahir l'amitié. Il va donc, il doit aller aider un ami à gauler les noix, c'est-à-dire à utiliser un bâton pour faire les amandes, pour faire tomber les amandes des arbres pour la récolte. Donc il a promis à ce copain qu'il allait le rejoindre pour l'aider, mais en cours de route, il va rencontrer une jeune fille. Et donc, voilà, il va faire cette réflexion que l'amour trahit souvent l'amitié. Voilà le texte qui est très beau. Au fond d'un petit champ d'herbe sèche, sous un très vieil olivier, je la vis installée sur une balançoire. Elle avait un grand chapeau de paille blanche, dont les ailes étaient ployées vers ses joues par un large ruban bleu. Ça fait penser à l'escarpolette, n'est-ce pas, ce fameux tableau de Fragonard, je sais pas si vous vous rappelez. Je lui fis, comme je m'en étais promis, un petit signe de la main, mais j'eus le tort de m'arrêter. Elle cria « Où vas-tu ? » Je mis mes mains en porte-voix. « Je vais travailler avec un ami. » Elle ne répondit pas. J'ajoutai « Il faut que je l'aide à cueillir des amandes. » Comme si elle n'avait rien entendu, elle cria « Viens me pousser. » J'hésitai une seconde, puis il me sembla que 2 minutes de plus ou de moins n'avaient pas une grande importance et qu'en somme, puisque je l'avais sauvée des flammes, je pouvais bien pousser 3 ou 4 fois sa balançoire. Et puis, je pourrais lui exposer brièvement la situation. Je fis un pas en avant, mais je m'arrêtai brusquement. Je vis Lily, tout seul, sous une pluie, Lily c'est son copain, sous une pluie d'amandes, et qui de temps à autre regardait le chemin vide. Alors de toutes ses forces, elle cria à nouveau « Viens me pousser !» J'y allais. C'est ainsi que mon ami m'attendit en vain, près de la gaule supplémentaire qu'il avait apportée pour moi, et qui resta couché dans l'herbe pendant que, les 2 mains en avant, je repoussais les épaules tièdes d'Isabelle, qui criait de peur en riant quand le vent de sa course aérienne soulevait sa robe et la plaquait sur son visage. C'est ainsi qu'elle sépare les meilleurs amis, en riant sur des balançoires qui s'arrêtent en 2 minutes quand le mâle ne les pousse plus. Voilà. Enfin, donc, Le temps des amours, qui est un livre posthume, et ici, je vais vous lire simplement donc le 4e de couverture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prière d'inséré, qui est une partie du texte qui figure aussi au dos du livre. Quand je revois la longue série de personnages que j'ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis. J'étais avec ma mère un petit garçon dévoué, obéissant, et pourtant audacieux, et pourtant faible. Avec Clémentine, j'avais été un spectateur toujours étonné, mais doué d'une incomparable, je veux dire incomparable à la sienne, force physique. Avec Isabelle, j'avais couru à 4 pattes, puis je m'étais enfui, écœuré. Au lycée, enfin, j'étais un grossier organisateur, un chef astucieux, et je n'avais qu'une envie, c'était de ne pas laisser rentrer les miens dans le royaume que je venais de découvrir et où je craignais qu'ils ne fussent pas à leur place. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer donc à autre chose. C'est le livre qu'il a écrit après avoir tourné le film « L'eau des collines », Jean de Florette et Manon des Sources. Nous allons lire un passage, nous allons lire surtout celui-ci. Vous savez, je vais vous raconter très rapidement l'histoire. L'histoire, c'est qu'un beau jour, un homme de la ville arrive avec sa femme et ses enfants parce qu'il a hérité d'une propriété en Provence. Cette propriété est assez grande et on voit arriver cet intrus
qui est en fait un homme de la ville, qui a décidé, puisqu'il était lui aussi instituteur, comme le père de Marcel Pagnol, il était donc persuadé qu'il allait pouvoir faire fructifier ce domaine et vivre là d'une façon presque, on dirait aujourd'hui, d'une façon bio. C'est-à-dire qu'il va, il va planter des oliviers, il va faire de l'élevage de lapins, il va donc avoir une vie en autarcie extrêmement bucolique et qui lui permettra donc d'élever ses enfants selon les grands principes de la proximité de la nature. Or, ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce que ce terrain contient une source. Et une source, c'est la richesse d'un terrain. Mais il se trouve que ce terrain est tellement bien placé que quelqu'un le convoite. Et comme il convoite ce terrain, il a muré la source, c'est-à-dire qu'il a mis une source, vous savez, c'est quelquefois totalement invisible dans un terrain, et donc il va boucher la source avec du ciment, ce qui fait que ce pauvre type qui arrive là va se trouver sur un terrain assez grand, mais sans eau. Donc, il ne va pas pouvoir mettre à jour ses projets. Or, il y a derrière la malédiction, on pourrait même dire la méchanceté, il y a un vieil homme et son neveu qui veulent ce terrain pour y faire pousser des œillets, c'est-à-dire des fleurs qui vont se vendre sur les marchés à Marseille et dans les villes avoisinantes, Aix-en-Provence, etc. Et donc, il faut désarmer, il faut désespérer, il faut d'une certaine façon tout faire pour que cet homme abandonne cette propriété. Mais cet homme ne va pas l'abandonner. Cet homme va mourir à la tâche et laisser, donc sa femme va repartir, mais sa fille qui s'appelle Manon va se rendre compte, une fois que la terre va être louée à ceux qui l'a convoité, eh bien, il va se rendre compte, cette fille, qu'en fait, on a bouché une source. Et à son tour, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va dévier l'eau souterraine pour que le village entier soit sans eau, jusqu'au moment où elle va pouvoir donc expliquer ce qui s'est passé et où la vérité va enfin apparaître. Alors, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est celui du papé, c'est-à-dire ce vieil homme qui veut absolument que son neveu fasse pousser des œillets et qui demande, parce que le neveu donc va dans la montagne et regarde comment ça se passe, donc comment ça se passe. Et puis le deuxième texte, je vous le montrerai après. Alors, voilà. Le papé alluma sa pipe et demanda, « Il y a du nouveau ?»« Oui. » Et il y a du bon et du mauvais. Premièrement, les vastes projets, c'est un grand élevage de lapins en plein air dans un grillage. Très bien. Il a un livre? Oui, il me l'a fait voir. C'est tout plein de chiffres. Ça prouve que si tu commences avec 2 lapins, au bout de 6 mois, tu en as plus de 1000. Et si tu laisses continuer, c'est la perdition. C'est comme ça qu'ils ont mangé l'Australie. Je connais ça, dit le papé. Avec un porte-plume, c'est facile de faire des multiplications de lapins. Lui, il dit qu'il veut se limiter. Pas plus de 150 par mois, le papé ricana. Bravo, bravo. Et il va les nourrir avec des coucourdes chinoises qui ont la peau en bois. Il dit que ça pousse aussi vite qu'un serpent qui sort du trou. Et chaque plante peut faire au moins 100 kilos de coucourdes. Mais lui, il se contentera de 50. Galinette, tu es sûr que tu n'exagères pas un peu? Oh, pas du tout, je te répète ce qu'il m'a dit. Il s'est peut-être foutu de toi. Par moment, je me suis demandé, et puis non, c'est du sérieux, il y croit. Ce matin, il a encore fait monter un gros voyage de grillage, de piquets, de ciment. Eh bien, tout ça me plaît beaucoup, parce que cet homme, le bon Dieu nous l'a fait sur mesure. Dans 6 mois, il sera parti. On ne voit pas là. Voilà.
Alors évidemment, il va pas partir, comme je vous l'ai dit, il va mourir sur place parce qu'à un moment, il va essayer de creuser un puits, et il va mettre de la dynamite et il va exploser en même temps que la dynamite qu'il y a mise. Et donc, dans la deuxième partie du texte, eh bien, nous allons voir donc l'intervention du curé pour que le village se rende compte que tout le village a été finalement coupable par son silence de ne rien dire à cet homme de la ville sur l'état de cette propriété où il y avait effectivement une source. Et c'est ici quelque chose d'assez intéressant, c'est l'eau, bien sûr. Et le secret de l'eau, c'est un des secrets les mieux gardés justement dans cette région où quand on a une source, eh bien, ça multiplie de façon incommensurable la valeur d'un terrain. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'eau, ça vaut rien. Et donc, il y a ici des tas de, on pourrait dire, de compromis, même de corruption, de gens qui disent qu'il n'y a pas de source alors qu'ils savent où elle est et qui rachètent des terrains à vil prix pour ensuite les valoriser grâce à l'eau qu'ils contiennent. Alors, voilà le curé qui est au courant de ce qui s'est passé parce que Manon, qui est la fille donc de ce Jean de Florette, est restée dans le village et elle est allée expliquer au curé que c'est elle qui a bloqué l'eau souterraine qui alimentait tout le village. Alors le curé, n'est-ce pas, Marcel Pagnol, était un homme qui aimait beaucoup les discours, que ce soit le discours qu'il a prononcé au moment de son entrée à l'Académie française, que ce soit les sermons des curés. Il en a écrit plusieurs, notamment dans certains films qu'il a fait en reprenant des textes de d'Alphonse Daudet. Mais il aimait beaucoup donc les personnes qui prennent la parole et avec toujours un sens moral extrêmement élémentaire, mais dit d'une façon extrêmement percutante. Voici donc une partie du sermon du curé de ce village. Mais qu'est-ce qu'on paye à la mairie quand on paye pour l'eau, n'est-ce pas ? C'est la même chose que nous ici quand nous payons pour l'aqueduct. On paye pour le tuyau, pour la soudure, pour le fontainier. Mais l'eau, ce n'est pas la mairie qui l'a faite. C'est à Dieu qu'il faut la payer, avec des actions de grâce, des prières, de bonnes actions. Vous devez avoir une assez grosse facture en retard. Et c'est pour ça que l'administration céleste vous a fermé le robinet. Mais il ne suffit pas de se lamenter. Il faut faire quelque chose. Je vous propose pour dimanche une procession pour obtenir l'intervention de notre grand saint Dominique, dont les fidèles ne cultivent guère la très précieuse amitié. Il ne voit même que pas 3 cierges par mois. Pourtant, j'ai confiance en sa bonté. Il a fait pendant sa vie terrestre plusieurs miracles. Pensez ce qu'il peut faire aujourd'hui du haut du ciel. Après-demain, nous le mettrons sur le pavois et nous le porterons à travers notre misère, je veux dire nos champs assoiffés et poudreux. J'espère que la vue de nos récoltes languissantes, si douloureuses pour nous, ne le sera pas moins pour lui et qu'il intercédera en notre faveur comme il l'a toujours fait auprès de notre Seigneur. Je charge donc les enfants de Marie, ainsi que les pénitents gris, de préparer le pavois de Saint-Dominique, les cierges, les costumes et les bouquets. Ainsi, nous irons tous, sous les bannières de la paroisse, le long de nos champs qui meurent de soif. Et quand vous serez dans le cortège, qu'on n'entendra plus que la cloche lointaine, le chant des cigales et le bruit de nos pas, alors, humblement et sincèrement, vous élèverez vos âmes vers Dieu. Car ce ne sont pas les bannières qui font la force d'une procession, ce sont les cœurs purs. Et même, il y a quelque chose qui est encore plus précieux qu'un cœur pur, ce sont les cœurs purifiés. Et si seulement quelqu'un d'entre vous, ce serait trop beau si je pouvais compter sur tout le monde, si quelques-uns d'entre vous prennent avec eux-mêmes l'engagement de faire au moins une bonne action ou de réparer le mal qu'ils ont pu faire, alors moi, je suis sûr que le grand fontainier qui vous a coupé l'eau n'attend que votre repentir pour vous la rendre.
Voilà. Alors c'est d'autant plus beau, n'est-ce pas, que c'est écrit par un anticlérical, hein, par quelqu'un qui ne croit pas beaucoup à l'Église. Alors voilà, ça, ce sont les livres qui sont, disons, qui sont parus avant le décès de Marcel Pagnol. Il est décédé en 1974, couvert de gloire, peut-on dire, retiré en Provence, après avoir, comme je vous l'ai dit, beaucoup erré d'un lieu à l'autre. Et son fils, après son décès, donc, s'est occupé beaucoup d'essayer de cultiver et d'entretenir sa mémoire, même s'il y a eu tout un temps où on n'a plus beaucoup parlé de Marcel Pagnol. Malgré tout, donc, si ça vous intéresse, voyez, il y a un livre qui s'appelle « Paroles, sagesse et mots d'esprit ». C'est un livre qui a été écrit par son fils, enfin qui a fait une compilation de ses bons mots, etc. Et puis un album qui existe, qu'on peut trouver, on peut trouver beaucoup de photos, n'est-ce pas, de la vie de Marcel Pagnol. Cet album qui s'appelle l'album d'une vie, qui est publié chez Flammarion et qui montre toute l'évolution aussi bien physique qu'intellectuelle que même de création, depuis le théâtre, puis le cinéma, puis les souvenirs d'enfance et l'écriture de ce dernier chef-d'œuvre qui s'appelle « L'eau des collines ». Voilà. Et puis, enfin, un inédit qui sont des lettres, les lettres écrites par Marcel Pagnol. « J'ai écrit le rôle de ta vie ». C'est quelque chose qu'il a dit à Rému, puisque Rému est devenu un de ses acteurs fétiches. Mais il y a aussi Fernandel et il y en a d'autres. Et voilà, ce sont des lettres. Et puis, enfin, j'ai trouvé quelque chose, la biographie d'une œuvre populaire. C'est peut-être le seul livre, on pourrait dire universitaire, que j'ai trouvé concernant Marcel Pagnol, puisque comme je vous l'ai dit, on trouve des tas de choses dans les manuels scolaires, mais à l'université, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à Marcel Pagnol. Voilà, ça s'appelle « Dans l'univers littéraire de Marcel Pagnol » et c'est publié à L'Harmattan. C'est Christophe Chabert qui a écrit ce livre que je vous conseille. Mais il y a d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, la gloire de Marcel Pagnol est présente. C'est que on a fait à nouveau des films, on a refait des films à partir des scénarios qu'il a écrits, et on a même fait des films sur ses souvenirs. Regardez, « La gloire de mon père » qui existe en film. Voyez, mais ça, c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est à partir du livre. « Le château de ma mère », voyez qu'il a aussi, donc le deuxième tome. « Le temps des secrets » et même « Le temps des amours ». Voyez, il y a eu 4 films qui ont été faits et qui ont beaucoup de succès, qui se trouvent dans toutes les... on pourrait dire les cinémathèques de collège, n'est-ce pas, à côté des livres. Mais aujourd'hui, les élèves préfèrent voir le film plutôt que lire le livre. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que de voir Terminator ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui existe encore et toujours et qui continue. Et c'est une mine, on pourrait dire, c'est vraiment une mine financière parce que ça a beaucoup, beaucoup de succès. Voilà, ça c'est pour ces 4 choses, cette tétralogie de ses souvenirs, mais il y a aussi évidemment le fameux Jean de Florette et Manon des Sources, interprété de façon extrêmement brillante par comme vous voyez, Yves Montand dans le rôle du papé, Gérard Depardieu dans le rôle de Jean de Florette, et puis Daniel Auteuil qui fait le fameux Galinette, le neveu, n'est-ce pas, ce Hugolin, celui des œillets. Et puis il y a la suite, vous voyez, il y a deux films, le suivant, avec les mêmes acteurs, Manon des Sources, sauf qu'il y a à cette fois Manon, et ça a été un des rôles qui a fait connaître et apprécier donc Emmanuel Béart, qui a le rôle donc de Manon. Et puis, voyez, à nouveau, il y a quelques années, est sortie la fameuse trilogie New York, marseillaise, pardon, la trilogie new-yorkaise, c'est autre chose, c'est Paul Auster. Voilà, donc, la trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, qui est cette fois non pas au théâtre, mais au cinéma, avec, vous voyez, des acteurs assez célèbres, puisque vous pouvez y voir ici, c'est Vladimir Kosma qui a fait la musique, voilà, et donc, on retrouve des acteurs qui sont célèbres, enfin,
connu et que vous pourrez donc voir si vous trouvez ce film. Voilà. Alors, n'est-ce pas, que dire d'autre ? Eh bien, c'est que cette année, donc 1924, c'est le cinquantenaire du décès de Marcel Pagnol, eh bien, il y a très peu de choses à ce sujet. J'ai regardé un petit peu sur Internet, désespérément, dans la presse, etc. Mais dans les écoles, oui. Alors, c'est un petit peu dommage, je ne sais pas, parce que si vous regardez, par exemple, dans les programmes, vous savez, on a accès maintenant à tout, on peut tout savoir. Donc, vous rentrez, vous mettez un lycée ou un collège en France. Il y a des collèges qui s'appellent des collèges Marcel Pagnol, des lycées, des rues Marcel Pagnol. Et si vous rentrez dans les programmes scolaires, eh bien, vous allez voir que le lycée Marcel Pagnol de Aubagne, par exemple, eh bien, a décidé cette année de faire aux élèves des expositions sur Marcel Pagnol. Alors, ils vont faire du copier-coller à partir d'Internet, des photos, des dessins, enfin des conneries, excusez-moi de le dire comme ça, mais je veux dire, l'éducation, qu'elle soit nationale ou pas, est devenue une véritable tristesse, puisque finalement, on amuse les enfants, parce qu'ils ont le droit d'être intéressés, il faut qu'ils soient intéressés. Ils ont le droit de ne pas l'être, et s'ils ne le sont pas, eh bien, c'est le professeur qui est nul. Mais donc, si vous corrigez un enfant parce qu'il a fait une faute d'orthographe, vous êtes contre le libre développement de sa personnalité, parce que vous le frustrez à vie. Et ça veut dire que vous en ferez un adulte malheureux. Voilà. C'est pourquoi, n'est-ce pas? Marcel Pagnol a dit un jour, n'est-ce pas, quelque chose. Il a dit, professeur un jour, professeur toujours. C'est une de ses phrases, et effectivement, c'est pas, il a été professeur, son père était instituteur, il a appris à avoir une écriture, vous avez vu au début, et on voit sa signature, n'est-ce pas, c'est une belle écriture bien moulée, parce qu'il a appris à écrire avec une plume, sergent-major, comme on le faisait à l'époque, eh bien, voilà, il a dit « professeur un jour, professeur toujours ». Et je crois qu'il y a effectivement dans son œuvre une véritable vertu pédagogique. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas des histoires pour la beauté des histoires ou pour la beauté du langage. Il transmet un message. Et ce message, c'est dans le fond le message des cours de morale publique qui finalement rejoint essentiellement la morale judéo-chrétienne, puisque la morale, il n'y en a pas 36. Et c'est le moment de reprendre la fameuse phrase de Blaise Pascal, la véritable morale se moque de la morale. C'est-à-dire que quand on a une conscience morale, on n'a pas besoin de se faire édicter des préceptes, on sent immédiatement où est le bien et où est le mal. Voilà, et donc il y a une grande vertu morale dans l'œuvre de Marcel Pagnol. Et j'en profite pour insister sur un détail, c'est que l'on a souvent tendance à croire qu'un roman, une œuvre, disons une œuvre littéraire ou cinématographique morale, est quelque chose qui ne montre que des choses qui sont acceptables pour la morale. C'est une grande erreur, c'est-à-dire que finalement, regardez, si vous regardez la télévision ou même ces fameuses chaînes qu'on achète maintenant, n'est-ce pas ? On vous dit vocabulaire inapproprié, vulgarité, violence. Oui. Alors on dit, mais c'est pas quelqu'un qui dit merde au cinéma, c'est pas moral. La véritable morale se moque de la morale, ça veut dire que, n'est-ce pas, la morale ne consiste pas à raconter des histoires édifiantes. Les histoires édifiantes, ça ennuie tout le monde. Regardez, ça nous le savons, les grands romans ou les grands textes littéraires nous parlent de meurtre, de suicide, de vol, d'arnaque. Mais la véritable morale, elle est au-delà de ce qui est raconté. Elle est la façon dont nous allons, dont l'écrivain ou le producteur nous invite à prendre parti en face de ce qui se passe. Ce serait peut-être le moment de terminer en disant, en nommant cette fameuse phrase de La Rochefoucauld, l'hypocrisie, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'on appelle la morale, c'est pas la morale sociale, politique, etc., celle que prononcent les personnages, disons, publics. L'hypocrisie est un hommage
que le vice rend à la vertu. Voilà. Alors pour conclure la conclusion, je dirais que Marcel Pagnol, à mon avis, est un véritable auteur moral, mais ça ne veut pas dire que c'est un écrivain qui ne dit que des choses gentillettes pour les enfants et pour l'édification des dames patronesses. Mais, c'est un écrivain qui, à mon avis, mérite d'être reconnu au sens propre du mot, c'est-à-dire réactualisé, remis au goût du jour, parce que il transmet des valeurs fondamentales. Voilà. En plus, comme vous vous en êtes rendu compte, c'est une écriture absolument lumineuse et extrêmement chaleureuse, hein, qui nous invite à prendre parti en face de la façon dont il raconte les histoires. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je voudrais quand même vous annoncer que pour la prochaine conférence, qui aura lieu au mois de mai, puisque nous sommes au mois d'avril, c'est toujours le premier mercredi du mois, mais cette fois, ça sera le jeudi, parce que le premier mercredi du mois de mai, c'est le 1er mai. Donc, ça sera le jeudi 2 mai, et ça traitera d'un peintre, et ce sera Théodore Géricault, qui est un peintre français du 19e siècle et qui est mort il y a exactement deux siècles, c'est-à-dire en 1824. Voilà, donc ce sera sur lui. Théodore Géricault, c'est un des grands peintres de l'époque romantique, révolutionnaire et de l'époque napoléonienne. Vous connaissez sûrement certains tableaux de lui, le radeau de la Méduse notamment. Voilà, donc ce sera une présentation de son œuvre. J'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui soit rapide et complet. Voilà, j'annonce aussi qu'au mois de juin, nous aurons aussi, on célébrera un anniversaire qui est l'anniversaire de la naissance, c'est-à-dire le centenaire de la naissance de Charles Aznavour, le grand chanteur compositeur, interprète. Donc on écoutera des chansons, on lira les textes et ça sera ici, mais avec il y aura de la musique. Donc hein, il y aura de la musique. Charles Aznavour, vous savez, donc son véritable nom c'était Aznavourian puisqu'il était d'origine arménienne et que ses parents étaient arrivés en France donc à la toute fin du 19e siècle et qu'il est décédé en 2018. Il n'y a pas très longtemps qu'il est décédé. Après une carrière prestigieuse, aussi bien en France qu'aux États-Unis, enfin bref, il a écrit énormément de chansons, pas seulement celles qu'il a chantées, il en a écrit beaucoup aussi pour d'autres interprètes. Voilà. Voilà, donc vous avez le programme pour les deux mois à venir, et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a peut-être des questions. Alors, il faut toujours faire la distinction entre anticlérical et athée. C'est pas tout à fait pareil. Un athée, c'est quelqu'un. Un athée, c'est un croyant dans le fond, puisque un athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. C'est pas la même chose que voilà. Alors on peut être sceptique, on peut être athée, et un anticlérical, c'est quelqu'un qui pense que l'Église, et enfin surtout l'Église catholique, donc fait plus de mal que de bien, et donc que il faut cesser de la protéger et de croire aux balivernes qu'elle professe et qu'elle prêche. Oui, voilà. Oui, vous avez parler au début des instituteurs et de l'éducation publique sur la Troisième République. Mais pour réussir, disons, dans cette politique, il a fallu former un nombre énorme d'instituteurs. Oui, alors ça a été l'une des œuvres de la Troisième République, du début de la Troisième République. Vous savez que la Troisième République commence en 1871 et qu'elle est très longue puisqu'elle se termine en 1940. Enfin, on pourrait même dire jusqu'en 45 parce qu'après, elle est rompue par l'arrivée de l'État français. Elle a été
très controversée, cette Troisième République, puisque c'est une république parlementaire, et donc il y a pas de, il y a un président du conseil, et il y a des, la valse des ministères, mais il y a aussi la mise en place de plusieurs éléments qui font la, disons, qui respectent liberté, égalité, fraternité. Notamment, donc, la mise en place de l'école laïque, gratuite et obligatoire, à partir donc du gouvernement, de, pardon, du ministère de Jules Ferry, qui a été la ministre de l'instruction publique. À l'époque, le ministre était ministre de l'instruction publique et pas de l'éducation nationale. C'est quand même très différent comme notion. On instruit, on n'éduque pas. Hein? Voilà, aujourd'hui, on prétend éduquer et je pense qu'on n'instruit même plus. Enfin bon, j'arrête la polémique, mais toujours est-il que, on a mis en place les écoles normales d'instituteurs. Il existait déjà l'école normale supérieure qui formait les professeurs de lycée et d'université, qui existe toujours d'ailleurs, mais on a mis en place dans toute, chaque académie une école normale d'instituteurs. C'est une formation de 3 ans qui a permis assez vite donc à des bacheliers donc de devenir, on pourrait dire presque les soldats de l'instruction publique. Ils ont été répartis dans tous les villages de France. Pratiquement dans tous les villages de France, il y avait une école communale, publique, avec un instituteur qui faisait partie des notables. Dans les villages, il y avait 3 notables. En gros, dans un village, il y avait l'instituteur, le curé et le médecin, quand il y en avait un. Oui. Donc, regardez par exemple... Charles Bovary, il n'était pas médecin, il était officier de santé, mais on faisait un peu pareil. Voilà, donc c'était devenu, n'est-ce pas, ceux qui apportaient la bonne parole morale de la République. Et puis il y a eu, pendant cette même période, à partir de 1902, rappelez-vous, la séparation des églises et de l'État, parce qu'on n'avait pas réglé le problème des biens du clergé. Or, il y a eu une séparation, ça veut dire, et c'est, en fait, ça a été une bénédiction pour l'Église, c'est le cas de le dire, puisque auparavant, les biens du clergé, c'est-à-dire les églises et tout ce qu'elles contenaient, appartenaient à l'Église. Or, les églises sont devenues des monuments appartenant à l'État. Mais l'État, avec l'obligation de mettre à la disposition des cultes, et de mettre à la disposition des cultes les églises, les synagogues, les temples pour les protestants, de façon totalement laïque, c'est-à-dire neutre. Tous les cultes ont le droit d'être exercés, représentés et abrités par la République. Oui. Au début, le clergé n'a pas compris, parce qu'il a cru qu'on allait confisquer tous ses biens, c'est-à-dire les vases d'église, les ornements, les statues, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça a été comme ça, mais l'État a toujours maintenu sa, on pourrait dire, son engagement de mettre à la disposition des cultes les biens qui lui avaient été confisqués, entre parenthèses, entre guillemets, mais qui étaient donc à la disposition des cultes. Vous imaginez aujourd'hui si l'Église, comme c'est le cas ici par exemple, devait prendre à sa charge l'entretien de toutes les églises? Non. En France, les églises aujourd'hui appartiennent à l'État et c'est la raison pour laquelle elles font partie de ce qu'on appelle les monuments historiques et elles sont entretenues aux frais de l'État. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont de véritables soldats de la laïcité, les instituteurs. Ce sont eux qui ont aussi obligé, à partir donc de la Troisième République, il a été obligatoire de parler le français dans les écoles, parce que la France était encore un pays dans lequel on parlait le breton en Bretagne, le provençal en Provence, l'occitan, etc. Ça, si vous avez peut-être lu le livre qui est un livre remarquable de Claude Duneton qui s'appelle « Parler croquant ». Parle de ça justement. Il dit que lui, il est donc occitan et qu'il se souvient très bien que quand il était à l'école tout petit, eh bien, il y avait des élèves qui arrivaient à l'école et qui ne savaient pas parler le français, qui parlaient l'occitan, ce qu'ils entendaient parler à la maison.
Donc les élèves étaient punis quand ils parlaient une autre langue que la langue française. Il y a eu comme ça plusieurs éléments qui ont forgé l'identité nationale qui va se développer ensuite avec la première, enfin, disons que l'identité nationale française, elle est fondée sur trois grands événements catastrophiques. Le premier, c'est la guerre de 1870 perdue par la France, qui perd l'Alsace et la Lorraine et qui donc vit la honte d'être un pays vaincu. Puis, la Première Guerre mondiale, où pratiquement tous les Français en âge de se battre sont partis se battre dans les conditions horribles des tranchées et des combats de la Première Guerre mondiale. Et puis il y aura enfin donc la Deuxième Guerre mondiale qui va souder avec, de façon complètement mythique, la résistance. Oui. Mais je pense que, n'est-ce pas, ce projet républicain de la Troisième République qui a forgé aussi le service militaire tel qu'il a existé jusqu'en l'an 2000. Le service militaire, c'était le lieu où tous les Français se retrouvaient. Parce que c'était obligatoire, le service militaire. Il n'y avait pas de passe-droit. On ne pouvait pas acheter, comme ici, la tarjeta militar. Non, il fallait faire son service militaire. Et donc, c'était... on pourrait dire le plus petit dénominateur commun à l'identité française, c'était ça. C'était la langue, le service militaire et donc le patriotisme qui a forgé, on pourrait dire, cette identité avec, rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles les Français sont partis vraiment avec la fleur au fusil au début de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en août 1914, c'est parce que c'était pour récupérer l'Alsace et la Lorraine qui avaient été perdues lors de la guerre de 1870 contre les Prussiens. Voilà, donc tout ça, ça a été rappelé par les instituteurs. Si ça vous intéresse, il y a une très belle nouvelle de Alphonse Daudet qui figure dans les contes du lundi, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui s'appelle « La dernière classe ». Et c'est l'histoire, justement, de la dernière classe que va donner un instituteur français en Moselle, alors qu'il doit abandonner son pays, parce que son pays va être annexé par l'Empire allemand. Donc c'est la dernière classe qu'il va donner. C'est un conte très court, ça figure dans les contes du lundi d'Alphonse Daudet. Et ça parle justement de cette naissance du patriotisme français. Les instituteurs étaient, comme je vous l'ai dit, de véritables missionnaires de la patrie. Voilà. Et ça a duré pratiquement jusque dans les années 70. Les écoles normales d'instituteurs n'existent plus. Maintenant, nous avons des maîtres des écoles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une formation universitaire et qui ensuite veulent bifurquer vers l'enseignement en pensant que les enseignants ont beaucoup de vacances. Ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas, et par leurs vacances, vous savez, il y a beaucoup d'enseignants qui ont véritablement besoin de se reposer parce qu'ils sont au bord de la crise de nerfs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bien, alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.